Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci c'est sur les darons. Bon, je pense qu'on a tous des darons, logique, mais sauf que nos darons, vous savez que des fois ils sont un peu relous. Chamba! Chamba! Donc je disais qu'ils sont un peu relous, là on va aller voir pourquoi ils m'appellent, je pense que c'est pour une chose inutile. Chamba! J'arrive. Chamba! Oui. Chamba! Oui, papa. Tu es malade, depuis là, je t'appelle. Tu veux pas répondre? Ouais, vite. J'étais là, y'a quoi? Pourquoi tu as ta veste? Mais. Pourquoi t'as ta doudoune toi-même? C'est pas ton problème. Elle est où la télécommande? Je sais pas, attends, je vais la chercher. C'est qui avait en dernier la télécommande? C'est toi. Comment ça, c'est moi en dernier qui avait? Tout ce qui disparaît dans cette maison, c'est toi. De toute façon, tu m'accuses pour tout, papa. Des pauvres, ta gorge. Mais. La télécommande est là, papa. Toi qui as mis ici. Parce que moi, j'ai cherché avant que tu viennes là. J'ai cherché partout. C'était pas là. Et alors, même si c'était dans ma gorge, j'ai cherché, j'ai pas vu. Si j'ai pas vu, j'ai pas vu. Enfin, des piétons. Ce qui est vraiment chiant avec les parents aussi, c'est t'as vu quand t'es posé tranquille, ton père il t'appelle et il t'envoie. Et en plus, quand ils t'envoient, ils font bien exprès. Parce qu'ils te passent une partie de l'argent, mais sauf que c'est pas ça le prix quand t'arrives à la caisse. Et après, tu te retrouves à tout payer. Samba, il a cassé la télécommande. Samba! Quoi? Tu dis pas quoi? Quand je t'appelle, tu dis oui, papa, tu viens. Après, la télécommande, maintenant, c'est quoi? Je vais t'envoyer au magasin. Fond des pauvres. Tu vas m'acheter deux bouteilles de coca. Ouais. 1,5 litre. Deux. Ouais. Voilà. Tu prends un sac d'oignons. Ouais. À loco, 3 euros. Ok. Tu ramènes la monnaie. Pourquoi tu regardes mon argent, tu souris comme ça? Tiens, tu ramènes ma monnaie. Mais. Tu m'as donné que 5 euros, papa. Alors, ça, il y a assez? Non, mais tu rigoles. Mais là. J'ai l'habitude d'aller acheter Samba quand même, tu vas pas me contredire. Tout ce que tu m'as dit là? Oui, deux bouteilles de coca, un sac d'oignons à loco, 3 euros, et tu me ramènes la monnaie. Papa, donne-moi 50. Samba, allez, pas mal. Enfant des pauvres, tu sais comment j'ai souffert pour gagner de l'argent? J'aimerais. Papa, c'est, moi je vais t'appeler hein, quand tu es là-bas. S'il n'y a pas assez, tu m'appelles. C'est moi, je t'ai dit, il y a assez, non? Et remonte ton pantalon là. Racaille. C'est qui m'appelle? Allô? Non, ça c'est la télécommande. Samba. Allô? Oui, c'est qui? Samba! Je t'entends pas. Samba! Allô? Il n'y a pas de réseau, tu me rappelles? A few moments later. Samba. Ça? Tu m'as appelé, mais j'entendais plus. Je t'ai appelé, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Ça fait 45 euros. Tu m'as donné 5 euros. Ça fait 40 euros de plus, papa. 40 euros. Ça, là, ça fait 45 euros. 45 euros. Tu m'as donné une longue liste de je sais pas combien de trucs. Alors, t'as payé, non? Ouais, mais c'est comment maintenant? Rembourse-moi. Rembourse quoi? Toi et ton argent, vous m'appartenez. Si c'était pas moi, là, t'allais être là aujourd'hui. Dis-moi merci. Ingrat. Et la pire des choses. Je vous explique, quand t'as une voiture, oh là 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 là, mais quand t'as une voiture, tes parents ils se croient tout permis, mais vraiment tout. Ils te disent même d'aller jusqu'à Bamako. Ça va? Ah, je suis tombé sur mon pied. Ça va? Mais non, on dit pas je suis tombé sur mon pied, on dit tu tombes à pic. Ah, je tombe à pic, comme tu dis. C'est bien, c'est les bons français. Tu veux ça va? C'est ta voiture là? Ouais. Ah, c'est bien, c'est pour ça que j'ai dit je tombe à pic là. Ouais. Tu m'accompagnes? Où? À Bamako. Hein? À Bamako. Bamako? Ouais, tiens, mets ça dans le coffre. Mais papa, on peut pas aller avec une voiture à Bamako? Mais si, on peut aller à Bamako, c'est à côté là. Mais Bamako, à côté des Val des Fontenay. Dites à mon père que Bamako, c'est pas à côté. Bamako, à côté des Val des Fontenay, au foyer. Tu es con ou quoi? Mets ça dans le coffre. Ah, au foyer. Mais j'ai pas compris frère, tu dis Bamako. C'est quoi la différence entre Bamako et le foyer? Je sais pas, précise. Précise.
Tu mets l'essence, hein? 5 euros. C'est tout ce que j'ai. Voilà, sors. Sors la voiture d'abord, après je monte. Parce que tu sais pas conduire. Et vous là. Vous là. Quand on dit Bamako là, c'est là, c'est au foyer. C'est au foyer. À côté là, à Montreuil. C'est là-bas, Bamako. Soyez pas bête comme Samba. Sors. Voilà, fin de la vidéo. Donc comme vous voyez, nos darons, ils sont chiants, ils sont relous, mais bon, on les aime beaucoup. Franchement, sans eux, on n'est rien. Grand merci à tous les darons. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma page et de continuer à regarder les vidéos. Mais les darons, en toute honnêteté, c'est des cons. T'as vu mon daron là? C'est un con. En plus, il sert à rien tous les jours. Il fait que de m'embrouiller. Ça marche! Nous, on est cons. Hein? Nous, on est cons. Non, toi, t'es pas con. Non, mais. Hey, papa. Samba, il est mort. Il n'y a plus de vidéos.